Eh bien, salutations tout le monde de Sen27, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Diablo 4 avec mon druide. On va se faire le petit donjon cauchemar niveau 64, entre du serpent. On va se mettre une petite peau. Donc j'espère passer sous 95 durant cet épisode. Normalement ça devrait le faire. En faisant un ou deux donjons, je devrais prendre ce qui me manque. Toujours avec le build de Loulou. Qui est pour moi, enfin en tout cas de ce que j'ai joué pour l'instant à Diablo, mon build préféré. Largement. Ce qui était d'ailleurs mon build, un de mes builds préférés aussi sur Diablo 2, le druide. Tornade. Était clairement mon perso préféré hein, dans des deux. Donc. Voilà, 64. Il va falloir que je m'endorme. C'est ma première partie sur Diablo aujourd'hui. Je ne suis pas en réalité. Faire de la merde. Donc, on commence pas avec un truc forcément tranquille. 64, c'est quand même pas trop mal. Juste que je fasse gaffe aux zéniths qui ont l'aspect, enfin, qui ont le bonus truc de glace quoi. Donc, risque de m'éclater si je trouve un élite que j'ai pas rage du grizzly activé. Il risque de me baiser. Mais normalement si j'ai la rage du grizzly, ça devrait rien m'arriver. Ça devrait le faire. Je ne suis pas encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Le perso il était moitié bloqué là, je pouvais pas le bouger. Je suis où? Ah putain, les dégâts de dot, de poison aussi ils font pas du bien. Putain, suppression direct pour le premier boss. Direct suppression, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le truc la suppression. Suppression c'est un des pires. Un des pires à fixe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le machin. Sympa quoi. Patoche. Essayer de pas se faire éclater. Essayer de rester un peu à distance. Histoire de. De clean un petit peu. Je ne suis pas encore prêt. Voilà. Voilà. Pas trop de risques. Allez, tranquillou. Je dois. Pareil. Suppression. Faites les couilles. Suppression et le truc de feu là. Génial. Génial. Génial, génial. Et bon truc de merde. Je ne suis pas en train de... Mais bon, après, normalement ça devrait passer. Et si ça passe pas, je vais arrêter de m'en faire des 60. Vénère. Bien qu'ils prennent pour prendre les tornades. Classique, l'araignée qui fait tout le temps ses. C'est rond, bien chiant parce qu'elle prend jamais rien du coup. Je ne suis pas galère à la toucher à chaque fois. Classique. Eh mais on voit rien par terre, on voit rien. Tu les vois pas les trucs par terre, tu les vois pas. Qu'est-ce que... 400 tournonnades qui tournent en même temps, tu vois pas qu'il y a un truc par terre. Ah ouais, bah ouais.
Oh là là. Al s'est fait tuer par Al. Ouais, en gros, je me suis suicidé. C'est... Ah, mais je vous jure, les trucs au sol, c'est vraiment. Vraiment infernal. Tu veux que je vois les trucs? Qu'est-ce que tu veux que je vois les trucs? 4 en tornade, 4 en tornade. On va casser les couilles à ça. Truc que t'arrives pas à tuer alors que tu fais du 600-700 000 de dégâts en boucle sur un boss mondial, mais sur un truc. Sur un mur, t'arrives pas à DPS. Ça me fait toujours bien rire. Ouais. Encore mort par quoi, je sais pas. Ça reste un mystère. T'as tué l'élite, sûrement une merde au sol, hein, encore. Hein, le classique. Hein. Manière. Tu crèves que par ça, tu sais même pas ce qui te tue, c'est des trucs au sol qui te one shot. Ah. Vu que tu vois rien, bah forcément, bah, tu fais piner comme une merde. Je suis con. Plaqué ma rage du grizzly pour rien. La merde. Je ne suis pas un. J'espère quand même pas fail ce donjon, parce que si je fail ce donjon, il y a vraiment un problème. Je crois que c'est un très bon, vraiment un bon donjon. Vraiment un bon donjon, assez simple en plus. Donc bon. On va crever bêtement comme j'ai fait là. Normalement, on va pas mourir. Mais bon, on sait jamais hein. Elle m'a vite fait une mort. Vu que tu vois que dalle. Je dois attendre. Peut-être le choix pour être un bon. Je vais être baisé. Ah, regardez les dégâts que j'ai fait. Non mais franchement. Je ne suis pas encore. J'en fous le jeu. Bon temps de recharge aussi sur la du Grizzly. Je vais quasiment la spammer. Oh, je suis en pack. Heureusement. Parce que. Allez, attends un peu. Voilà, putain. Donjon il est fini, il est validé, au moins ça. Ok, allez hop, esprit, parce que 18, les câbles. Regardez les trois merdes qu'on a lootées. Peut-être une pépite dans le lot. J'ai un doute, mais bon. On sait jamais. Les meilleurs outils pour se venger. Regardez donc. Plus de tournage. Non, non, je... Ouais, nul. Donnez-moi ça. Trop basse en puissance, ça sert à rien. J'ai merde. Bon. Ok, les câbles. Classique. Alors. Nous avons là. 67. Non merci, j'ai envie de me faire un peu des trucs en détente. Ouais, vas-y, on va faire ça. Je l'ai pas. Je l'ai pas, tu sais quoi, les trucs d'Onyx là, ça me saoule à chaque fois. 52. Cauchemar englouti. Champion glacial. Allez, soyons fous. Soyons fous. Allons faire celui-là. Ça aussi, c'est pas mal le système qu'ils ont fait.
ironique hein, la phrase. je précise. Ce système de donjon, bon déjà c'est de la merde, hein, comme tout l'in-game du jeu, mais ce système de donjon cauchemar, où ils te mettent 4 donjons cauchemar pour pas que tu sois lassé. Je sais pas si c'est... S'ils ont réfléchi 2 secondes quand ils ont dit ça en fait. Vous savez quoi les gars, il y a 200 donjons dans le jeu. Mais on va faire un roulement, et en fait on va vous en mettre 5 qui vont tourner en boucle. Voilà, comme ça vous n'allez pas vous lasser des 200 donjons. Non mais du coup tu te lasses des 5 donjons que tu fais en boucle, par contre. Voilà. Ah, ouais, je suis pas assez... La logique, hein. Bon, on a pas. On va chercher plus loin. Du coup bah, tu te refais les 5 meilleurs donjons en boucle. De temps en temps tu fais les merdes. Bah, du coup là ça change un peu hein. En niveau difficulté là c'est même dans le slip quoi. Mais bon c'est pas plus mal au moins. Je veux pas crever à la chaîne normalement. Même si là c'est putain de ça fixe à la compte glaciale là. Franchement de glace t'es cuit. Je n'ai pas assez d'esprit. C'est les coups. J'ai reclaqué ma rage. Oh, un vieux pack d'ennemis de merde. Du truc électrique qui tombe. Après ça sera dérangeant pour le coup. Esthétique, c'est joli. Ça fait bien plaisir en espérant passer le niveau 100 avec lui quand même un jour que je vais y arriver, j'espère. Bon, bon. Après c'est pas non plus un objectif pour moi. Le niveau 100 je le pèterai bien assez tôt sur les persos avec les saisons et etc. Là le jeu dans l'état actuel pas forcément envie de... d'y passer ta vie quoi dessus. Là, pour ma part, voilà forcément j'y joue beaucoup moins que les premiers jours. Tu fais ma petite session vite fait quoi, de 2-3 heures et puis ciao. C'est déjà bien. Non, c'est... le soir où je prends un peu d'XP quand je pexe mon frère, son pote. Bon ça c'est un gros casu. Non, bon. Je lui ai fait un druide et c'est moi qui mette ça trop là parce que j'ai zéro effort. Concrètement. Et on vient de passer 95. Plus que 5 niveaux. Les doigts pas mal. Pas mal. Heureusement qu'ils ont fait la mise à jour. Voilà. Heureusement qu'ils ont fait la mise à jour. Je ne suis pas encore. Je
araignées. Thème. Bon, fait plaisir. Continuer à maxer le perso quoi. Aspect légendaire dessus, max. Suppression, de chance, hein, franchement. Mais au moins là je suis pas obligé de clean pour que mon frère et tout il ramasse les loot. Avancer comme il faut, je suis pas obligé de les raise aussi parce qu'il me colle dans la poche. Je ne suis pas. Et puis c'est beaucoup plus simple aussi là pour le coup, vu que j'ai la difficulté que pour moi et pas pour 3 ou 4. Les archers maintenant. Bien, c'est une miquette. Pas d'event. Ça aurait été bien un petit event là dans le coffre. Avec le coffre, avec le truc de soin. Dernier là-bas. Thomas, il est où? Il est là le spectre. Je prends pas. Impeccable. Normalement c'est des trucs merde. Nickel, allez, niveau 18, esprit. Après ça va être drôle. J'aurais plus besoin d'épée de gemmes. De glyphes. On va se faire chier. On ne prend toutes les autres merdes quoi, jusqu'au niveau 100. Ça prouve bien que le in-game du jeu il est complètement nul. Sur plein d'aspects. Alors... Adobe. De l'adobe. De l'adobe. La même. Pareil. Belle affaire. Parce qu'on s'en bat les couilles. Et on sait la merde. Lorsque vous infligez, ok, non, laisse tomber. Daube, la top. Pas les couilles, bâton. La durée, blablabla, on s'en fout. Placement. Pff, oh, nul. Et ça, ça a des mains. Ça dégage. Là, je vais juste réparer mon stuff que je suis quand même mort tout à l'heure. Le point de parangon là-dedans, comme ça m'active ça. Après, je mettrai là. On fait 12% de dégâts en plus avec les compétences principales. 47%, ma glyphe à l'activer maintenant. Les coups critiques augmentent les dégâts que l'adversaire subit de votre part de 2% pendant 20 secondes jusqu'à un maximum de 12. Bien. Là je vais mettre là 7% plus. Enfin 7 points en dextérité qui va me faire 12% de dégâts avec l'arme principale en plus. Donc c'est pas négligeable, vous voyez. Et après bon voilà quoi. Et normalement il y en a un autre, je sais plus où il est, voilà il y en a un là. Il y en a un là je crois. Ici. On va faire ça. Et après de toute manière le machin il va EP, je vais l'EP, donc peut-être ça va aller chercher par ici aussi. Donc, je vais prendre un bon boost de dégâts. Et après on ira faire les autres. Les peaufiner également les autres. Voilà. Et bon pour l'instant on fait déjà ici. Déjà bien.
On va mettre ça comme ça. On va regarder qu'il n'y ait pas un petit truc intéressant à faire, un petit boss. Ça fait... Je vois combien de temps que j'ai pas fait un boss mondial. Bon, bah y'a rien. Du coup, on va arrêter la vidéo là-dessus. Les vidéos sont assez courtes maintenant. Normalement, je devrais vous faire des vidéos avec le barbe. Je l'ai commencé, il est 52. Donc, laissez-moi un peu le temps de l'équiper comme il se doit et je vous ferai des vidéos. Au moins en T4, quoi. Voilà, laissez-moi un petit peu de temps, je vais commencer à travailler dessus. Je pense semaine prochaine, vous devrez avoir des vidéos un petit peu sur le barbe et mon build trombe. Donc voilà. Et entre temps, bah, je ferai quelques vidéos, comme d'habitude, avec le druide. Je pense que je vais enchaîner avec une autre, là. Je suis chaud. Bon, en tout cas, on va arrêter celle-ci ici. J'espère qu'elle vous aura bien plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, dans la description, vous avez mon Instagram ainsi que ma chaîne secondaire, qui est une chaîne automobile que je fais avec mon ami. Les vidéos sont disponibles en 4K. Et pour faire un petit teasing de ce qu'on a posté actuellement comme vidéo, il y a de la BMW M2, de l'Honda S2000, de la Nissan 370Z et bien d'autres choses qui arriveront par la suite, dont la GT3, les dernières. Si vous aimez l'automobile, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la description. Voilà. Et nous, on se retrouve très prochainement pour notre vidéo. C'est N27. Allez, ciao tout le monde, bye.